Même le vaisseau peut devenir une plante. Tout peut devenir une plante, en fait. C'est le dernier. Obligé qu'il y ait un succès ou elle doit rester à 100% en vie. Je te dis ça tout de suite. Alors, loin des yeux. Pas obtenu. Beaucoup trop mignon. Trouver les ours, un peu le choquer. Une envie répressive. Frapper tous les cristaux. De Blizzon sur Blizzard. Maître du multivers. Obtenir tous les trophées. Remporter le défi de la coupe d'or de l'arène. Acheter toutes les armes. Rebondir sur les ballons. À l'effigie de... Rebondir sur les ballons de parade à l'effigie de Hal, Clank et Quark. Refaire le premier... Il faut refaire le premier niveau. As de la glisse. Effectuer 5 sauts acrobatiques sur un glisse oral. Rail. Brise-glace. Attaquer au corps à corps 5 ennemis gelés. Retour gratuit. Éliminer 10 ennemis avec les tirs du vacuum réacteur. Toucher 20 ennemis à la tête avec le chasseur de tête. Déployer 50 champitrons. Bah ça, c'est en cours de le faire. Jardinage électrique. Vaincre 30 ennemis végétalisés. Très facile. Éliminer 5 gregors. Facile aussi. J'en ai déjà éliminé au moins 3 ou 4. Vaincre 30 têtes détachées de soldats de Nefarious. Ok, très bien. Obtenir le telt. Je crois que c'est une arme. Je crois que c'est une arme spéciale. Obtenir 10 urpières pour Trudy. Obtenir du miel pour le chef Tullio. Trophée masqué. Bah après, si c'est dans les trophées masqués, du coup, on le saura pas, malheureusement. Mais non, c'est pas obligé, je pense. C'est pas obligé. Pas obligé qu'ils ont fait ça, tu vois. Est-ce que vous voyez comment je marche dans ce jeu? Je fais des zigzags. Je fais des zigzags au même endroit à chaque fois. Ils sont sympas et pas complètement sadiques. Ouais, ça va. Ça va être du spoil, ça, les succès. Bah, en fait, les succès spoilés, c'est caché, comme tu peux le voir. En gros, les succès cachés, c'est souvent vaincre Dr. Nefarious, faire ça. Je sais pas, moi. Ce sera les succès cachés, tu vois. Retourne voir le man érudit pour l'équipement du torse du désert. Libère les moines du temple des Badlands. Ok. Du coup, il me reste plus que deux à faire. Moi, celui-là. Et celui-là. Ce qui est cool, en fait, c'est que comme c'est à côté, je peux... un petit peu faire en sorte de le faire dans les bons ordres, tu vois. Tu ne devrais pas essayer de me trouver un surnom. Ou d'être mon... ami ? Mon ami. Ah, je te trouve trop sévère envers toi-même. Moi aussi, je trouve. Tu n'en sais rien. Tu me connais à peine. Je sais que Gary te fait confiance et que les moines t'apprécient. Tu devrais peut-être donner une chance à l'amitié. Je vais y réfléchir. Te donner un conseil sur la base de mon observation des moines. Vas-y, je t'écoute. Même si Clank devient le meilleur ami de cette autre personne, il restera le tien. L'amitié, ce n'est pas comme une tarte. On en a toujours assez pour tout le monde. Ah. Je comprends pourquoi Gary a fait de toi son apprenti. Merci. Au. Ok, let's go, baby! Voyons ce que ces robots ont trouvé. Bah, je sais pas ce qu'ils ont trouvé, mais... une orbe! Plus que une! Qui est juste là. Et on va écouter le message. Bon, j'ai découvert pourquoi Kaden... Oui, tu peux regarder les rediffs directement sur Twitch. Ou aller sur Seros VOD, quand j'ai poste, en coupant. On a besoin de cacher un maximum de Lombax. Et je suppose que mon travail de cartographie avait pour but de trouver la dimension parfaite pour nous accueillir. Alors, j'espère que j'ai pas raté mon coup. Ouais, ça découvre pas la map par zone, uniquement tu marches, c'est ça. Après, le truc c'est que moi, sur la map précédente, j'avais fait en sorte de marcher partout pour voir...
pour voir s'il manquait des choses ou pas. Mais en vrai, il y a des endroits, comme c'est des endroits de course où tu dois aller super vite, etc., ça sert à rien d'y aller. Et en vrai, c'est, ça trigger en fait parce que t'es en mode « Oh, il faut que j'aille au milieu ici pour voir ce qu'il y a », mais en soi, t'as pas besoin. C'est pour ça que finalement, je préfère les zones. Dans ce sens-là, je préfère les zones, parce que ça me permet en fait de savoir qu'est-ce que j'ai bien visité ou pas. Là, pas pareil. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le truc. Oh là! Wow! Wow, 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 wow! Reviens par ici, toi! T'as cru que tu pouvais t'enfuir? Not on my watch! Come here! Il comme pas hier, hein? Ratchet, nous devons secourir les autres. Oui! Laisse-moi rattraper ce truc-là avant. Je vais suggérer d'étudier le meilleur angle d'attaque avant de dévoiler ta présence. Si tu veux. Wouh! Ha ha! Ah, je suis tellement fier, là. Par contre, ils savent que je suis là. Je suis à côté d'eux, hein. Ceci sera mon dernier enregistrement. Si vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous n'avez malheureusement pas pu atteindre la nouvelle dimension avec le reste d'entre nous. J'en suis terriblement désolé. Hmm? On essaie de réunir tout le monde, mais notre espèce est disséminée dans tout un tas de dimensions. C'est... Ceci n'est pas un adieu. J'ai laissé une copie de ma carte dimensionnelle dans les archives, et j'y ai indiqué notre destination. J'aurais aussi voulu vous laisser un dimensionnateur, mais bon... Je peux malheureusement pas tout faire. J'espère que vous réussirez à nous retrouver. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me rendre visite. Je m'appelle Max et j'aimerais beaucoup connaître votre histoire. Et les Lombax, ce sont des créatures interdimensionnelles du coup. Vu ce qu'il dit, c'est forcément un Lombax en fait le mec derrière. Et il dit que toute son espèce est disséminée à travers la dimension. Du coup, Ratchet n'est pas le dernier Lombax. Il est juste un Lombax exilé, quoi. On va peut-être retrouver sa famille, en fait, comme ça. Peut-être. Donc ça veut dire que, probablement, Rivette n'est pas un double dimensionnel, mais juste une autre Lombax. Et là, c'est cool. Parce que du coup, ça veut dire qu'ils vont faire des bébés. Wouh! Je suis en train de mourir! Compliqué la situation. Des robots snipers. Ah non, il suffisait pas des robots normaux. Problème. Non, ça va. Oh, encore un robot sniper. Bon, non, je te donne la merde. Mise à part. J'ai plus beaucoup de munitions pour pas grand chose. Hein.
impériales ont été éliminées. Super. Ratchet. Toujours prêt à aider et à botter les fesses des soldats de Nefarious. Ratchet, ce terminal, il faut que j'y accède. Super comme ça là. Je suis soulagée de vous voir en bonne santé, mais nous avons besoin d'aide pour atteindre les archives. Ah, je vois. Retrouvons-nous. N'importe quoi, Imperius. Oh oh oh. Non, je voulais pas. Vous avez réussi. Oh, merci à tous les deux d'avoir libéré. C'est tellement rapide. Gary, nous avons besoin d'aide pour accéder aux archives. C'est urgent. Pas de problème. Oui, mais je dois aller là-bas, moi. Mes frères, on a une urgence dimensionnelle à régler. Pour pénétrer dans les archives, il faut être prêt à faire le grand saut, Ratchet. Je te conseille de prendre de l'élan. Bah oui, mais je voulais pas aller là tout de suite, moi. C'est marrant, toi. Il est où, mon... Ah, il est en bas. Au revoir. Je suis pas courageux, hein. Laisse-moi tranquille. Je jure. Salut, Warshoot. C'est génial, Zelda. Zelda, j'adore. Zelda est génial. Zelda, c'est un très bon jeu. Comment tu récupères les munitions dans ce jeu? Parce que là, tu sembles à sec. Alors, en fait, pour récupérer les munitions, tu vois les caisses, il faut en détruire. Et dedans, t'as une chance de choper la bonne munition, en vrai. C'est un petit peu random, si tu veux. Mais, voilà. C'est... ça marche un petit peu comme ça. Par contre, j'aimerais bien partir à nouveau là-bas. Juste pour retrouver, en fait, le monsieur qui est ici, là. Parce que... Ouais, voilà, il est là-bas. J'espère que j'arriverai à revenir à l'endroit original facilement, parce que là, j'ai été téléporté, mais je sais pas trop comment faire. Mais moi, à la base, je voulais... Yo ! Lui parler. Merci. Mon frère Lombax a encore... Je prends en note Zelda et Ratchet de super jeu. Ah oui, totalement. T'as jamais joué... Estrée, t'as jamais joué à... Avec ses splendides choix. Je n'arrive pas à y croire. Il ne te manque plus que le casque. Grâce à toi, l'histoire des Lombax... Le jeu a pas compris. Apporte-moi dans les leurs. Et il sera... Mes frères et moi te remercions. C'était un honneur. Le jeu a pas compris, j'ai trop enchaîné. Jakazaxa, c'est un peu vieux. Ouais, je vais découvrir, effectivement, ça aura raison, je vais découvrir le Skyward Sword avec la version remasterisée sur Switch. Qui a l'air génial, au passage. Alors, du coup... Dis donc... Excusez-moi... En plus, je vais laisser jaune, en plus. J'ai le temps. Allez, c'est parti. La vitesse à laquelle on part. Au pied, j'ai dit. Déjà là. Tout saccagé. Nous ferons de cet endroit une redoutable machine de guerre. On est hors de question. Méchant. Les archives sont alimentées par un générateur à hélice. Si nous le démarrons, nous pourrons entrer. D'accord. Pour un commutateur de générateur à hélice. Niveau plus inventaire. De savoir que renferme les archives est précieux, c'est trop risqué. Ennemi.
Allez! Le paratonnerre! En action! Certains documents ici sont irremplaçables. Les schémas, la carte dimensionnelle. Il faut se concentrer. Je suis désolé. C'est excellent cette arme en fait! Les paratonnerres, les gens! Bon débarras. Sur le bord de la plateforme, il y a un commutateur pour allumer le générateur. C'est où le bord? Ok. Par là-bas alors. En vrai, c'est super simple. C'est Ross tombe dans l'eau. Hey! Mais je suis pas mort! Alors chute! Un intrus, morbleu! Faisons fuir ce gueux qui ne salisse notre sol avec sa fourrure! Mais il n'est pas encore à pleine puissance. Nous devons aller sur le toit. Avant de te faire réduire à néant, ce sont les moines qu'on veut. Toi, tu nous gênes, c'est tout. Non, j'ai tombé. Alors déjà, vous allez devenir des plantes. 2 secondes, s'il vous plaît. Voilà, merci. Que j'ai le temps de faire mes trucs. Jardinage l'extrême. Wouh. Bah c'est un peu la guerre là quand même les gars. Oh, calmez-vous non. Ok, 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 t'es marrante, mais c'est où? Je ne vois pas c'est où, madame. Ah, c'est là? Ok. Super. A plus, Estri! Bon chantier à toi. Bon chantier à toi, bon courage. Franchement, je kiffe les gens. Oh là là, ça fait tellement plaisir. Oh, bien. La carte dimensionnelle est en sécurité. Je reconnaîtrai cette écriture entre nous. Les Lombax. Le jeu est fun de c'est ouf, quoi. Une de leur construction. Mon père était le gardien du dimensionnateur. De l'original, en tout cas. Il a tout fait pour l'empêcher de tomber entre de mauvaises mains. Désolé, papa. Est-ce qu'il te manque? Les Lombax? Ce serait compliqué, vu que je ne les ai jamais connus. Mais... oui. Ils me manquent tous. Je te comprends. Peut-être qu'un jour, tu les trouveras. D'abord, tâchons de savoir si on peut fabriquer le dimensionnateur. On peut? Oui. Mais pour cela, il nous faudra utiliser la forge de la station Kedaro, l'endroit le mieux gardé de toute la galaxie. Ok, alors mettons-nous en route, KT-7-4. Ratchet, appelle-moi Kit. Ah. Je préfère ce nom. Entendu, Kit. Voilà. Maintenant, Kit est officiel. C'est son nom maintenant. Ouais, le jeu, il est beau, Fluffy, hein, totalement. Le jeu est magnifique. C'est un film, en fait, qu'on regarde. Là, c'est un film. J'en fais raison. Je préférerais Katie, moi, personnellement. On doit filer. Nous devons protéger les archives. On n'a pas le temps. Ce fut un plaisir, Ratchet. Mmh.
Wow! 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 Oh mon dieu! Bisous Caro. Bon appétit. Ça, wow. Kate, ce n'est que moi. Je te l'avais dit. Je ne suis pas une bonne partenaire. J'avoue. C'était intense, mais c'était aussi génial. Tu ne comprends pas. Tu n'es pas en sécurité avec moi. J'ai été conçue pour être une arme. Pour garder la galaxie de l'Empereur sous contrôle. Damn. Une nuit pendant une patrouille, j'ai surpris un rebelle dans la zone impériale. Alors j'ai essayé de l'arrêter. J'ai été fabriquée dans un but précis. Blessée. Ici, au moins, je ne pourrais faire de mal à personne. Elle a attaqué Rivette. Elle a attaqué Rivette. C'est peut-être même à cause d'elle qu'elle a pas de bras, en vrai. Oui. Je suppose, en effet. C'est moi où elle est assise dans l'escalier. Oh, mais Ratchet aussi. Si cette mission ne virait pas à la catastrophe. Ils sont assis dans l'escalier. Toujours faire équipe. Merde. Tu es vraiment très étrange, Ratchet. Je sais, on me le dit souvent. Partenaire ? Peut-être. Juste cette fois. Oh, ça va, hein. Vu la qualité du jeu depuis le début, il peut avoir un bug où ils sont rentrés dans l'escalier. Merci pour ton aide. Pas de soucis. Maintenant, en route pour la station Kedaro. Il y a la planète Blizzard 1 avec Rivette, et moi, je dois aller à Cordélion avec Ratchet. Fabriquons un dimensionnateur. Alors, on va aller voir... je vais alterner entre Rivette et Ratchet. De façon, enfin, je veux dire, équivalente. On va faire un peu de gameplay Ratchet, un peu de Rivette, etc. Vu qu'on a le choix. Tu disais avoir donné le dimensionnateur à Ratchet pour qu'il puisse. Salut Polito. C'est gentil comme message. J'aurais jamais cru en rencontrer un autre. Encore moins retourner chez moi, si on peut dire les choses comme ça. Tu crois vraiment que c'est possible? Non. 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 La planète a explosé? Damn! Wow. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je n'en suis pas très sûr. C'est beau, hein? C'est beau de ouf! Y'a pas de gravité? Quelle sensation exaltante! Ce cristal est... Le blison semble avoir absorbé l'énergie des failles dimensionnelles. Waouh. Une autre dimension. C'est la tienne, tu crois? Non, mais nous y trouverons du quartz phasique intact. Partons à la recherche des mineurs. Mais les gars, mais c'est insane! C'est insane, les gens! Faut savoir que... Faire ça sur une ancienne console... C'est un temps de chargement, hein! C'est un temps de chargement! C'est insane! Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là... Dans la dimension de Rivette, la planète a explosé. Et en utilisant les cristaux de quartz qui permet donc de traverser les dimensions, bon, on peut voir une version de la planète qui est encore entière du coup. On va devoir alterner entre les deux. Bon, occupons-nous déjà des crabes toxiques. Oh, je kiffe.
Je kiffe tellement, les gens. Je kiffe tellement. Regardez-moi, en plus. Regardez-moi ce décor, quoi. Oh là 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 là. Bon, je suis fan, ok. Je suis fan, ok. Laissez-moi tranquille, je suis fan. Et je suis hype. Wow. Il faut qu'on passe de l'autre côté de cette fenêtre pour actionner le déverrouillage. Encore un truc dimensionnel ? Oui, la situation est de plus en plus instable. Cela explique pourquoi la mine est désertée. Voyez qui le vent nous amène ! Tu peux parler ? Ouais. Tu veux des Mais c'est insane ! Les deux, je parie ! Alors, je peux recharger les munitions. Je ne peux pas. J'ai pas assez d'argent. Est-ce que je peux améliorer? J'ai 17 pour améliorer. Oh là là, c'est bon, c'est parti, les amis. On peut améliorer tout là. On dirait bien que tu as toutes les cellules et le raritanium nécessaire. T'as vu ça? Ricochet. Est-ce qu'on améliore Ricochet? Ricochet permet donc chaque robot de soutenir des boulons supplémentaires à l'ennemi. Ouais, pourquoi pas, hein. L'exécuteur, c'est quoi ce supplémentaire, ce exécuteur là? Alors, il projette des tirs ennemis encore plus loin. Lui, il a fond. Pour plus lui, il a fond, je peux rien faire. Le collision de Négatron, le paratonnerre. Je vais améliorer le paratonnerre, probablement. J'augmente la quantité de munitions. Ouais, parce que le paratonnerre, vous avez vu ce que ça fait? C'est une arme qui est juste... C'est comme un Needler. L'arme fait penser au Needler dans Halo. Genre, plus tu tires sur l'ennemi, plus l'ennemi il se prend des coups, tu vois. Le champitron, la bombe dispersion, je l'améliore pas, puisqu'on s'en va les couilles. Mais il faut améliorer toutes les armes, je pense, pour avoir un succès. C'est obligatoire, ça. C'est quasiment obligatoire. Je vais améliorer cette arme, puisque c'est l'arme que j'utilise le plus souvent. Après, la rafale. Donc, du coup, je vais lui donner son truc, sa compétence supplémentaire. Qui donc permet de tirer, projette des ennemis. Donc, les ennemis vont voler très loin. Et la zone d'effet de l'arme aussi est améliorée. Très bien. On va faire ça comme ça. Moi aussi, madame, au revoir! Patron, tu vas le punir comme ça! Stupide univers à la noix! Plus de boulot, plus de quartz physique, plus de planète! Qu'est-ce que tu veux d'autre? Mon âme! Vas-y, prends-la! Pour info, je viens de découvrir qu'il y a une autre dimension où Blizzard est encore intact, alors. Encore intact? Mais comment? Mais oui! Le Blizzon! Si la planète n'a pas encore été détruite. Qui c'était? Est-ce que tu sais de quoi elle parlait? C'est certainement une survivante de ce qui s'est passé ici. Bon, il nous faut un autre cristal de Blizzon. Tout est cassé partout. C'est pas grave, on continue. J'adore le... En fait, j'adore ce jeu dans le sens où on faisait déjà des sauts interdimensionnels pendant les combats de boxe, etc. Là, maintenant, ça devient partie intégrante du gameplay, mais c'est juste insane, quoi. Il est totalement insane. Salut à toi, Genji. Tu veux savoir un truc trop cool? Bah, dis-moi. Dis-moi. Ce jeu a tout pour lui, mais pour moi, c'est... Pour l'instant, Game of the Year, franchement. Viser... Ok, ok, ok. Je kiffe. Merci. Nous devons trouver un moyen de passer et de retourner dans la dimension intacte. Vous avez vu, je vous ai dit que c'est la meilleure arme du jeu. Là, on devient. C'est du tir. Très lent. Ah, peut-être c'est rond, non? Voilà. On va le trouver comment, notre porte fabrique. C'est parfait. Nous devrions nous adresser à un mineur ou un ingénieur dans la dimension intacte. Ils doivent savoir. Elle envoie ce message dans l'espoir que quelqu'un l'entende. Nous y réfléchirons après avoir récupéré le quartz basique. C'est excellent. Essayons de désactiver le verrouillage. C'est excellent. Suo Barra, salut à toi, bienvenue à toi dans le live. Une flamboyante journée.
J'ai pas vu le petit nounours. Regarde ça, Blizzard, purée. Ah, il y a des crabes là. Ok, je kiffe énormément l'arme électrique. Hein. Pour moi, c'est comme une SMG qui, avec un buff électrique dessus, quoi. Les couleurs arrêtent pas de changer et tout, c'est trop bien. Et là, en plus, on joue même pas en HDR parce que ça bug avec le live. Mais ce serait tellement... Oh. Mais quoi, ton globe de lave sont mignons quand ils n'essaient pas de nous croquer les chevilles. Autant dire jamais. Oh là 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 là, ça fait des dégâts de zone. A plus! J'ai trop abusé des bonnes choses! Je peux aller ici ou je peux aller là? Je vais voir là-bas d'abord si j'y suis. À ton avis, c'était qui cette personne dans ma dimension? L'inconnu? Je n'ai rencontré personne comme elle sur Blizzard dans ma dimension. I had brûlé my face! It was not great, hein. It's hurting me. Salut à toi, Gigi. J'espère que ça va bien. Oups, je vais crever. Un boulon. J'ai trouvé le boulon dès le début. Ça, c'est bien, j'ai pas besoin de chercher. Attends, je vais regarder la map un coup. Oh, elle est grande quand même. Elle est un petit peu grande. D'accord, j'ai l'objectif de trouver le chef cuisinier disparu. Oh bah lol. Bah non, attends, on mange comment nous si le chef de cuisine n'est pas là? Ah non, je suis pas d'accord, faut le chercher hein. Nous on aime manger hein. D'ailleurs en parlant de manger, il faut que j'arrête de jouer. J'ai le linge à ouvrir et j'ai la cuisine à faire. Et après, je reviendrai. On se reconnectera pour... je vais faire une pause dans une demi-heure je pense. On joue encore pendant une demi-heure, après je fais une pause. On revient juste après. J'enregistre une vidéo pour YouTube. Et après on go sur le live de... À 21h... 22h... Merde, 20h. À 20h, rendez-vous sur la chaîne pour suivre le live Ubisoft. Il y aura des drops et des jeux à gagner. Je vous ferai gagner des jeux. Il y a Assassin's Creed Valhalla. Il y a des Far Cry. Far Cry 3, 4... Du Rainbow Six Siege. Wow, prends des claques. Mais je vais mourir en vrai. Ça fait un bruit de chien, on est d'accord? Le simple fait qu'il y a de la gravité sur les éléments. Regarde, on a détruit les trucs, il y a des petits bouts de cailloux et tout, c'est trop bien en vrai. Merci du coup de main, Boulon. J'ai pas vraiment l'habitude. Boulon. Nous devons trouver un moyen d'extraire le quartz phasique. Mais le pré-show, dans le pré-show, il n'y a pas de news de trailer? Parce qu'il n'y a pas de news de trailer, machin, mais bon, normalement, techniquement. Bah, Order Your Room, je viens de dire quel cadeau on va gagner. Je viens juste de le dire. Bonjour! Ah, bah, vous faites de la réparation. Ah, bah, vous travaillez pas vraiment, madame. Oh. Alors. Ça a l'air chaud. Ça a l'air très chaud. On va retourner là-bas. C'est magnifique ici. Voici le centre d'exploitation. Quelqu'un ici pourrait nous orienter vers la foreuse. Le poste de contrôle de l'ingénieur en chef devrait être tout près. Je parie que t'es incollable sur les mines. En effet. Par exemple, sache qu'un mineur passe en moyenne 72% de sa vie sous terre. Oh, c'est vrai? Non, mais je voulais satisfaire ta soif d'anecdotes. Mais si c'est pas vrai, c'est pas... ça satisfait aucune soif. Les gens ont l'air tout aussi déroutés que nous.
Séisme, verrouillage, faille interdimensionnelle, je peux les comprendre. Bah ouais. Besoin d'une foreuse. Dépêchons-nous. C'est pas du tout le cristal que je veux, le mien est mauve. Pourrait se produire ici. Bah oui, c'est ce qui va s'arriver. Hein. Oh, non, j'ai pas assez d'argent. Choisi, Madame Zurko. Madame Zurko, aidez-moi. Je vais améliorer ça, tiens. C'est une de nos. Hey, il passe devant l'écran, lui. Alors, le rayon touche davantage d'ennemis. Yes. Ok, c'est amélioré à fond. Mais il faut que tu te calmes, Madame Zurkon, par contre, hein. À un moment donné, voilà. Chill, hein. Chill, Madame Zurkon. Chill. Elle est un peu violente, quand même. Merci. Il faut tuer plus de gens. Non, c'est bon, Madame Zurkon. On va pas tuer des gens. On est gentil. On tue personne. Faut que je trouve le chef. Il est là-bas. Et dans cette direction. Cependant, je peux, a priori, changer la dimension. Donc, je vais voir si je peux... Je vais voir ce qui se passe quand je change de dimension. Attention, on va voir. On va taper dessus, on va voir. Les gens vont peut-être mourir. Il y a un boulon! Il y a un boulon juste devant nous! Il est juste là. Est-ce que je peux remonter facilement ici? Oui, je peux revenir facilement ici. Mais il y a beaucoup d'ennemis, tu vois. Salut Dorian! Le jeu consiste en quoi? Alors, c'est Ratchet & Clank. C'est un jeu de plateforme, action-aventure. Avec, bah, t'as un scénario à suivre déjà. Et tu peux sauter, tirer, te battre au corps à corps. Il y a des ennemis, tu as des mini-énigmes. Surtout des énigmes de traversée, etc. De savoir. De la dextérité aussi qu'il faut accomplir. C'est un jeu de plateforme. Enfin, c'est Ratchet & Clank, quoi. Il y aura For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla, ainsi que Watch Dogs Legion et d'autres messages de la part des équipes d'Ubisoft en attendant le début de l'événement principal. Ouais, bof en fait, le pré-show du coup, Sora. Un petit peu bof là, le pré-show. Pff, The Crew 2 et compagnie, j'ai déjà vu, on n'a pas besoin. Watch Dogs Legion, faut qu'on le finisse d'ailleurs. Faut qu'on le finisse. Bon, allez, je vais essayer de récupérer les... Ah bah ils étaient pas prêts pour ça en fait, hein. Parce que là je les ai massacrés. Ah, je peux pas activer les bots ici apparemment. Je pense qu'il faudrait que je monte avant. Et ensuite, voilà. Il faut que je sois déjà sur une plateforme magnétique pour pouvoir activer mes bots magnétiques. Sinon ça marche pas. Dans ton cul! Allez! Il est hyper beau! Tu es agréablement surpris! Mais oui, mais ce jeu est magnifique. Genre, je peux parfaitement comprendre que tu le trouves magnifique. C'est trop rigolo aussi. En fait, il y a le son, qu'on entend encore dans les petits haut-parleurs comme ça quand on est, quand on joue comme ça. Genre tu récupères des pièces et tout, ça fait aussi le petit bruit en mode piou 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 de la manette. C'est con parce que j'ai un casque, mais j'entends quand même, malgré tout. J'ai l'impression que c'était tout en pour ce chemin, c'était juste pour récupérer ça. C'était pas ça savait pas plus que ça quoi. Quoique, attends. Attends. Alors j'ai pu taper les caisses à travers. Il y a un mec qui vient de parler, ça veut dire qu'il y a des ennemis ici là. Oh là là. Je pense pas qu'on puisse aller ailleurs que sur la plateforme qu'on vient de partir, tu vois. Je teste quand même juste pour voir s'il y a un autre endroit où aller. Non, je pense pas. Je pense qu'il faut juste que je retourne à la... au cube de transport. Alors pour ceux qui viennent juste de débarquer, qui ne connaissent pas le jeu, je vais juste vous montrer un petit truc qui me fait surkiffer dans ce jeu. Oh, regardez, en fait,
C'est tout con, hein. C'est vraiment tout con. Nous avons ici un cube, un cristal. On va taper dedans et ça va changer toute la map. En un temps de chargement de 0,3 secondes. Voilà. Vive la technologie. Franchement, ça me fait trop kiffer. C'est insane. Le SSD magique, c'est ça. Ils en parlaient d'ailleurs, ils disaient que le SSD du jeu était magique. Mais oui, oui, il l'est. Totalement. Un slacker, il est en PLS. Pas de problème, j'ouvrirai l'œil. C'est énorme. Bah oui, c'est énorme. Et là encore, on est. Là, c'est un nouveau niveau dans lequel on vient d'arriver, mais les autres, il y a d'autres niveaux. Je crois que je capte un message. Aussi, peut-être plus joli même. Il est très joli ce niveau, mais je trouve que peut-être le niveau précédent était plus joli, tu vois. Que diriez-vous de participer à la création du nouveau plat du siècle? Ne répondez pas, c'était une question purement historique. Comment pouvez-vous de grimper à la crête de cristal qu'on puisse commencer? Le chef Tullio, je présume. Elle n'a pas l'air blessée. Je me demande ce qui l'empêche de rejoindre les mineurs. Minute. Comment font ces camis robots pour flotter? Il flotte pas, c'est invisible. Eh, eh, eh! Kenny Robot là! Ouais, ça va, franchement, ça va. Il fallait rester concentré, mais ça allait. C'était pas si compliqué. J'étais pas pressé de prendre la PS5, je viens de changer d'avis. Juste pour un jeu? Y a, et tous les jeux qui sont sortis sur PS5, juste pour Ratchet? T'as Returnal, t'as Spider-Man Miles Morales. Bah, après, tu vas me dire, ouais, c'est un DLC. Bon, c'est peut-être un jeu qui ressemble beaucoup à Spider-Man PS4, mais il est tellement beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui va arriver sur PS5 en exclu, là? Je sais plus, moi. Je sais plus, moi. Salut, les Léo. Comment ça va? J'adore les dialogues des personnages, c'est trop bien. Ils vont me voir à un moment donné, vous pensez? Oh, peut-être pas avec cette arme, du coup. Oh merde, trop loin. Comment je fais? Ah, par ici. On peut aller dans cette grotte apparemment. Ouais, c'est pour récupérer les ingrédients du coup pour la madame. Oups. Ah mais... Ok d'accord. Ok, hop. Ah mais j'y ai arrivé tout à l'heure. Ouais, c'est par là. Voilà, ça s'est fait. Je suis sûr que cette grotte nous mènera à la crête de cristal. Mais oui, t'inquiète même pas. Il y a des petites bêtes partout. On les élimine avant. J'ai toujours FF16 Remake PS4 Collector qui attend un balai depuis un an. Oh bah, si tu prends la PS5, attends d'y jouer du coup sur PS5. Hein. 60 images secondes, déjà, ça changera tous tes jeux. Hein. Parce que là, en fait, là actuellement, on peut jouer au jeu à l'ancienne, c'est-à-dire à 30 images secondes comme sur les anciens jeux, si ça te dérange pas. Moi, tu sais, à partir du moment où t'es habitué aux 60 images secondes, c'est très difficile de revenir en arrière. T'as l'impression que le jeu rame. Là, je joue en 60 images secondes, mais avec un... Il est pas en full 4K. Là, il est en... Je pense qu'il est en 2K. Et qu'il monte de temps en temps, il descend peut-être de temps en temps en 1080p, etc. selon la situation, pour garder les 60 images secondes, tu vois. En général, ça marche comme ça, tu vois. Mais franchement, après avoir joué à 60 images secondes... Finalement, la résolution, je m'en bats les couilles. Je préfère le framerate
à la résolution. Je peux jouer en 1080p du moment que j'ai 60 images secondes, moi ça me va. Des géosauteurs ? C'est quoi ? C'est quoi des géosauteurs ? Alors c'est quoi ? Tu n'as... J'ai vu les combats en 60 FPS sur FF7, c'est incroyable. Bah oui, totalement. Salut Underbeast ! Il n'a plus de PS4 ? Ah ! Oui, bah alors là... T'as pas de PS4, j'avoue que c'est plutôt compliqué de jouer à des jeux PS4. Hein. Madame, vous? Je suis le chef Tullio. Bonjour, chef Tullio. Comme les grands artistes, j'ai besoin de souffrir pour créer mes chefs-d'œuvre. Ah, ok. Pour préparer ma recette ultime, je dois récolter le miel syringien juste en dessous. Ah, c'est du miel. Cette aspidomil. D'accord. Mais cela me demande une extrême concentration. J'ai donc besoin de quelqu'un pour me défendre contre ces réfractaires à l'art culinaire. Ah. Si vous souhaitez entrer dans l'histoire de la gastronomie, actionnez ce levier pour commencer la procédure d'extraction. D'accord. Alors, quel est le menu ? À vrai dire, je n'ai pas... Alors, vu l'heure... Dernier temps, alors, je ne sais pas trop, mais ça ne va pas tarder. Je peux le sentir. Après l'Ubi Forward, Yas, vu l'heure qui sera chez moi, je vais probablement aller dormir. Probablement. Ça dépendra en fait de combien on est, parce que ça dépend quelle heure il est. C'est à 23h que ça commence chez moi, si ça dure une ou deux heures, ça va nous aller jusqu'à 1h du matin. Je peux probablement encore jouer encore une heure après, tu vois. Mais ce sera un petit jeu, ce sera pas... Je pense pas que je continuerai... Je sais pas, on verra de toute façon. On verra comment ça se passe, je peux pas prévoir à l'avance là-dessus. La machine chauffe quelques instants avant d'être utilisée. Alors faites tout ce qui est. Ok. Ah, les voilà qui arrivent. C'est quoi? Ok, c'est... Appuyez sur le bouton de ce côté-ci pour activer mon piège. Ok. Extraordinaire. Je ne supporte pas l'odeur des pesticides. Alors j'ai eu une brillante idée. Ah, c'est mieux, ouais. Petit retour aux sources. Avec un barbecue. Ah bah. Ouais, alors son piège il est pas ouf en fait parce qu'il tue pas les bébêtes hein. Ce qui ouvrira le menu, ou comme on dit dans le monde de la cuisine, la mise en bouche. La mise en bouche. Présent, préparez-vous pour le plat principal. D'accord. C'est le moment où ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ennemis qui vont arriver, genre un méga boss, etc. Oh. Les voilà qui arrivent. Protégez-moi pendant que je creuse. Ah mais il y a la vie en haut. Oh boy. Wow, c'était beau ça. Faut attendre un petit peu qu'ils arrivent avant d'activer le piège, je pense. Ce sera plus simple. Parce qu'ils suivent un petit chemin, en vrai, ils sont tout mignons. Oh, pauvre de petits bébêtes. Voilà, ah plus. C'est bon ? Oh oui, je sens qu'une idée est en train de germer quelque part. Elle est chelou. Une fricassée, glacée, au miel de... Oh yeah, ça a l'air tellement délicieux dit comme ça. Plus de miel, ok. Ça arrive? Oh boy! Les pièges marcheront pas, ils sont dans les airs! Mais... Cramé! Il crame pas ?
commence à tourner. Je vais ajouter les empêcher de... Taquer à la vie de mille. La pompe subit des dégâts. Ben je veux bien, oui. C'est normal. Mais écoute, c'est des ennemis qu'il y a là. Wow. Et attention, ces mineurs ont bien mérité un dessert aussi. Oh madame, please. Ça signifie qu'il va falloir souffrir une... Pas le dessert. Extraction finale commence. Oh boy, la musique t'emballe. J'ai pas de balle. Oh ben non, ils viennent, eux. J'entends une crever, par contre. J'ai plus de vie. Crever. Crèvez. Allez, crèvez tous. Oh ben là. OMG. La quantité de trucs à récupérer partout, par contre. J'en ai combien au total? C'est bon? J'ai... C'est quoi le succès? Obtenir du mal, ok. Mais mon imagination est enfin sortie de sa torpeur. Mes variations culinaires autour du miel seront... Quelle difficulté? La difficulté normale, il me semble. Vous n'avez rien fait. Je vous remercie pour votre aide. J'espère que cela vous inspirera dans votre propre domaine artistique. Oh, merci! Pour l'info robot! Nice! Je suis contente que les mineurs puissent enfin se remplir l'estomac. Bon, comment je fais pour les rejoindre? Oh, ce Security Taxi devrait faire l'affaire. Un Security Taxi? En parlant de nourriture, Boulon, je me demandais qui cuisinait le mieux. Toi ou Ratchet? Oh, il n'y a pas de compétition entre nous. Et toi, pas vrai? J'en étais sûr. Alors, du coup, j'ai réussi. Oh merde! Il y en a un que j'ai pas utilisé là-haut. Je suis redescendu tout de suite en vrai. Il y en a un que j'ai pas utilisé. Peut-être que c'était un moyen d'avoir un autre truc. Bon, c'est pas grave. On va faire trouver. Trouve l'ingénieur en chef. Il y en a un là et il y en a un là. Bon, on va aller sur celui-là d'abord. 123 mètres, c'est pas loin. J'ai des overbots avec elle. Je crois que nous approchons du poste de contrôle. Les décorations sont légèrement plus colorées que dans ma dimension. Boulon, concentre-toi. Oh, toutes mes excuses. Genre, j'ai pas tilté, j'ai utilisé naturellement le pouvoir et ça marchait. Semble s'accélérer. Mortellement, effroyablement joli. Ouais. Très joli, ouais. Au-delà de ça, c'est que le nitro, c'est pour les nouveaux comptes au passage, hein. Pas simplement le... Ça doit être l'ingénieur en chef. Bonjour. Ah, mais c'est elle. Vous entendez ça? Non. Des voix. Ça fait pas très longtemps que je les entends, mais à chaque fois c'est au même endroit que ces trucs violets. Oh, d'abord les séismes, le blison,
Et maintenant ça? J'entends rien du tout. Sauf quelqu'un qui vous demande si vous allez bientôt extraire du quartz phasique. Par contre, le mystère n'aura pas été résolu. Un site de forage est hanté. Julink, merci à toi pour ton raid. Merci à toi. Merci beaucoup, c'est très gentil. J'espère que t'as passé un bon live. En 4K, il est magnifique ce claqueur. C'est quoi le gros machin, Seb? Quel gros machin? Ces robots ont intercepté un message de ta dimension, peut-être envoyé par la personne que nous avons rencontrée. Ils nous aideront peut-être à comprendre ce qui s'est passé là-bas et à éviter que ça se produise ici. On y va. De quel gros machin tu parles, Seb? Donc il y en a un en face. Test radio, test. Testicule. Je vais suivre les chemins balisés. Je suis sûr qu'ils écoutent ce qui provient de ces choses violettes. Les secousses sont de plus en plus fortes et fréquentes. C'était trop demandé de trouver du quartz phasique sans devoir survivre à des séismes et à de la lave. Regardez, un de mes robots est là-haut. C'est Bob. Bob le robot. Mais c'est plaisant du tout. Attends, hé. Mais je suis trop content, moi. Moi, j'aime bien Bob le robot. Le bâtiment au milieu. Mais il a pas d'yeux. Il veut pas nous regarder s'il a pas d'œil. Salutations. Nous courons un très grave danger. Suivez-moi, vite. Ok. Ok, bon, danger était très 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 grave là. Quelle catastrophe. Le blison. Vite, frappez-le. Ah mais il y a un succès pour frapper tous les cristaux de blison. Donc du coup si j'en ai raté, c'est plus compliqué. En même temps, tout est dangereux sur cette planète. En effet, nous devrions rester sur nos gardes. Je suis en surchauffe. Si seulement je pouvais transpirer, je dois fuir. Je vais lui envoyer un signal pour qu'elle revienne. Je vois qu'elle a intercepté un fichier audio. Je le décoderai au plus vite. Si seulement je pouvais transpirer. Connaissant Jim, c'est là qu'il a dû se trouver. C'est horrible comme arme. Ça les défonce tellement. Oh. C'était moi une. Ok, celui-là a pété quoi. Celui-là a pété par contre. Donc en fait les cristaux ils sont dangereux, ils peuvent aussi exploser dans ta gueule. Ok, je vais prendre le risque. Peut-être qu'elle fait référence au protocole de sécurité. J'y suis moi-même assez réfractaire. Hey, petit robot. Êtes-vous ma nouvelle meilleure amie? Bien sûr. Non, tu devrais plutôt rejoindre l'ingénieur en chef. Demande d'amitié. Refusez. Oh. Ingénieur en chef. Oh. Tout doux, Jim. J'espère qu'il a bien intercepté des messages interdimensionnels et qu'il a pas passé son temps à chercher des amis. Identification, entité hostile. Bonjour. Êtes-vous mon nouveau meilleur ami? Oh non! Il demande d'être ami avec tout le monde. Quelque chose par là? C'est pas un gars à nous, hein? C'est cette saleté de son bac. Eh ouais, encore moi. J'adore cette arme, les gars. Ouais, compte pas, ça vaut pas le coup. J'adore cette arme, elle est juste excellente en fait. Salut Mono. On dirait qu'il a un œil. Ouais, bon voilà. Salut Marine. Est-ce que tu soupçonnes tous les gens que tu rencontres de travailler pour l'empereur Nefarious? Presque tous ceux que je rencontre sont des agents de l'empereur Nefarious. Ah, tu marques un point. Ah.
forme de forage. Ou du moins ce qu'il en reste. Je suis prête à parier qu'il y a des failles dans le trou. Je pourrais forcément les remonter. Regarde, le robot est bien sur la plateforme, là, à droite, juste après le pont détruit. C'est comment juste trop drôle. Pas besoin de beaucoup, moi. Comme vous avez pu le voir. Hein. Ouais, tu me donnes un pistolet électrocuteur. Des ennemis qui sont grands, ils sont électrocutés, ils font des bruits en mode goulou 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 comme ça. Et je suis mort de rire. Wait. Watch it. Maybe. Do it. Vestas. Boop, 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 boop. Alors. Ah, on reviendra de toute façon. D'accord. On va revenir de toute façon. Donc, du coup, j'ai pas besoin de le faire tout de suite. Mais apparemment, il y a des cristaux à récupérer en bas. Donc, je le ferai plus tard. Là, je suis ici. Je vais juste devoir taper dans ce cristal-là. Ils appellent ça le blison. Je vais quand même aller au bout. Avant de... juste voir ce qu'il y a au bout. Il y a un carré. Ah, oh, je peux déplacer. La grue a déplacé le cristal. Voilà qui pourrait nous être utile pour atteindre notre robot. Oui, parce que le cristal, c'est le seul qui reste à travers les dimensions. Le cristal, c'est la seule constante qu'il y a dans les différentes dimensions. Qui me permet donc de traverser les dimensions d'une à l'autre. Quoi. Donc, pop. Parce que là, s'il était loin là-bas, ça ne servait à rien. Salut Son Goku! Et Goku, il a gang Thanos. Ouais, c'est ça. Je joue au 1 sur PS2. Ouais, il est trop bien ce jeu. Le jeu de ton enfance. Ah, c'est le jeu de l'enfance de pas mal de personnes en vrai. Hein. Ceux qui n'ont pas choisi Jacques Daxter, hein, ils ont choisi Ratchet. Hein. Hey! Merci. On aura bientôt reconstitué tout le message. Dit comme ça, c'est tellement bizarre. Merci. Vous n'avez qu'à me rejoindre au poste. Oh merde, je pensais que c'était... voir ce que mes petits robots ont réussi à rapporter. Je pensais que c'était un câble sur lequel je pouvais marcher. Et le câble, en fait, c'était juste un câble qui ne permettait pas de marcher. Forme de vie dangereuse détectée. Parle de moi. Procédure de verrouillage du site activée. Pas de panique. C'est moi qui ai conçu ce système de sécurité. Détecteur de mouvement indique que les intrus sont dans la maison. Dans la pièce. Oh, mais quel nul! Le plafond! J'oublie toujours de lever les yeux. Ah! Qu'est-ce que ah! Truc localisation intrus! Ok! Intrus! Protocole détruit! Un petit cadeau en provenance de ma dimension. Et je vais me faire un plaisir de le réduire en deux. Cela semble très lourd. Je vais mourir. Il y a de la vie? Non, il n'y a pas de vie pour eux. Ouais. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui me donne de la vie. J'ai réussi à faire quelque chose, mais je sais pas comment. Là, ce que j'arrive à faire, c'est de ne pas me faire toucher. J'ai réussi à ne pas me toucher. J'ai 5 de vie, les gars. Je me fais toucher, je suis mort. Je suis mort. Fuck!
provenance de ma dimension. Et je vais me faire un plaisir de le réduire en bouillie. Ah bon, il est mort. Eh ben, c'est bon. Eh ben, j'ai failli galérer, hein. Avec ça, il va me falloir un peu plus de temps pour déchiffrer le message. Le personnage s'appelle Rivette, Mono. Et Caro qui arrive au moment où je meurs. D'abord, bravo. C'est bon, j'ai fini. Je suis Jim. Madame, d'aller où? Je dois faire quelque chose. Où ça? Jim? Bonjour, êtes-vous ma nouvelle meilleure amie? Non, Jim, toujours pas. Oui, de bonne heure. En gage d'amitié, je vous conduis à la foreuse dédiée à l'extraction de quartz phasique. Ah, ben voilà. Oh, je sens mal. Cette anomalie dimensionnelle est identique à celle que nous avons vue sur Sargasso. Cool. Ça veut dire que tu peux t'en charger? En qualité de meilleur ami, je vous informe que l'intégrité dimensionnelle a pu... Elle arrive toujours au moment problématique. Ouais, j'avoue. Comment ça? C'est comme toi quand je suis en feu. Alors, y a, hors contexte, c'est bizarre comme phrase. Hein. Je dirais même titre. Personne n'utilisera la foreuse tant que le système de lubrification sera bouché. Je vois que tu sais reconnaître un bon produit. J'aimerais bien avoir accès au... au truc qui glace, parce que vu qu'on est somme de la lave, ça aurait été plutôt pas mal. Ricochet devrait améliorer aussi, tu vois. Ah, Escatueuse, il a un nouveau truc. Alors, il y a quoi? Impact inflige plus de dégâts. Ok, l'arme est devenue beaucoup plus puissante. Ok. On va... vu que c'est quand même mon arme... on va dire que c'est un peu mon arme bazooka contre les boss. On va l'améliorer. Que cette amélioration va... il me reste 16. Je pense que je peux remplir. Voilà. Cette arme est quasiment améliorée. Il y a, vous voyez, en fait, on voit encore en transparence qu'il y a toute la zone du bas qui va se débloquer plus tard. La roseur, c'est pas bon, pas encore. L'exécuteur, le ricochet, peut-être l'améliorer, parce que le ricochet, pour l'instant, je l'utilise, mais je suis en mode, bah, il sert à rien. L'exécuteur, on devrait peut-être l'améliorer à fond aussi. Est-ce que le pistolet mitraille? Non, le pistolet mitraille, il va améliorer à fond de toute façon. Le négatron, non plus. Le paratonnerre, on va améliorer le paratonnerre. Parce que j'aime beaucoup cette arme. Et du coup, celle-là, c'est quoi? Augmente le nombre maximum d'ennemis pour être électrocuté. Magnifique. Magnifique. Ça va permettre, en fait, d'avoir beaucoup plus de gens qui sont électrocutés. Parce que là, je peux en électrocuter que deux simultanément. On dirait bien que tu as toutes les cellules et le raritanium nécessaire. Tu penses? Je vais améliorer l'exécuteur. Il m'en reste 4. Je vais prendre les 4 d'en haut, là. Du coup, elle va pouvoir tirer un peu plus loin. Très bien. Let's go! En fait, ça sert à ça, récupérer tous les cristals bleus que je tape, sert à dépenser justement pour ce truc-là. Ça sert uniquement à ça. D'ailleurs, il y en a un juste là. Félix! Question, je suis le seul à penser que cette planète serait en glace, vu le nom Blizzard. Alors... bah justement, je pense que le jeu de mots est là-dessus, en vrai. Parce que c'est une planète où ils font beaucoup de recherches et ils fouillent, etc. Donc ouais, c'est peut-être ça, le jeu, on va dire que le jeu de mots est basé là-dessus, quoi, en quelque sorte. Alors, je dois aller là. Désolé, j'adorerais vous emmener en balade, mais il faudrait d'abord lubrifier le mécanisme de l'ascenseur. Ok. Votre système de lubrification est bouché par une anomalie dimensionnelle. Ouais. C'est un sacré bouchon, effectivement. On peut le toucher? On va... ah! Ok, d'accord. J'allais dire, justement, Rachel va repartir là-dedans, on aura les mini-jeux comme la dernière fois. Vraiment? Et comment va-t-il? Moi, tout ce que je le pensais. Mais parfaitement héroïque. Mais où je dis? Quelle possibilité attendre que tu les guides jusqu'au méta-terminal?
Avec un tel vent, mes possibilités sont dans l'incapacité d'apprendre. Oh, une sphère de poids. Elle alourdit tous les objets qu'elle touche. Ce qui paraît évident quand on le formule comme ça. Je suis curieux. C'est le recueil de savoir le plus actualisé de l'univers. Tel que constitué par mon père. Qui est votre père? Je crois que toi, tu l'appelles le plombier. Le plombier? C'est votre père? Et que devient-il? Il est parti en vacances. Pour la première fois. Il m'a laissé les clés et j'essaie de faire de mon mieux. C'est une énorme responsabilité, même quand l'univers n'est pas en danger. Ah, je pense que c'est... Je suis bloqué. Cette scie devrait m'aider à dégager le passage. Ok, j'ai compris. J'ai essayé de comprendre en fait comment faire fonctionner le truc. Je pensais être, en étant lourd, j'allais pouvoir casser les blocs, mais en fait il fallait faire descendre la scie tout simplement. Oh, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Ce sont les moines de Savali qui me l'ont donné quand je les ai aidés à déchiffrer une partie de leurs archives. Salut mademoiselle Chloé. Oh, tout ce que j'ai fait, c'est énumérer ce que j'ai vu. C'est un annuaire téléphonique blardien. C'est une dent de cachou. C'est un poème romantique de Terraclon. Il y a un chien qui passe son temps à aboyer dehors. Ça, car c'était tout simplement phénoménal, donc. Il n'en reste plus que deux. Comment ça se passe avec ce vivant? Ça va, elle a piraté mon cerveau pour fouiller ma mémoire. C'est ainsi que s'occupent les jeunes de nos jours. Je me suis tellement vieux d'un coup. Pardon si j'interromps ton processus. Ce qui est intéressant, c'est que Ratchet et Rivette sont étonnamment différents pour des doubles dimensionnels. Parce qu'ils ne sont pas des doubles dimensionnels. Ratchet n'a aucune méfiance à l'égard des robots quand nous nous sommes rencontrés. Rivette, en revanche, c'est peut-être ta dimension qui diverge. Peut-être que tous les Ratchet des autres dimensions n'aiment pas les robots non plus. L'ambiance va devenir étonnamment pesante. Mes possibilités sont une représentation visuelle de mon esprit tentant d'appréhender la dimensionnalité. Alors désolé, j'explique pas du tout ce que je suis en train de faire, mais j'essaie de le faire rapidement en fait. Celle-ci bloque le passage. Si seulement je... J'avais pas vu au moment où il le dit. Celle-ci bloque le passage. Ah bah oui, ouais. Oui. Oh bah non. Bravo. Bah j'ai réussi. Pourquoi mes bonhommes ils arrivent à passer et pas moi? Mes petits bonhommes sont passés mais pas moi. C'est n'importe quoi. Ça joue quand? Gars j'ai joué jeudi soir. C'est là que tu vois en fait la meuf elle sort du port, tu sais. Y a-t-il quelque chose chez Ratchet et Rivette qui soit pareil? Eh bien, ils sont tous deux très prompts à passer à l'action. Contrairement à moi qui ai tendance à m'empêtrer dans les détails. Et tu aimerais peut-être fonctionner différemment? J'exagère un petit peu, mais c'est vrai que j'apprécierais de ne plus m'inquiéter autant. Fuck, c'est pas ça qu'il faut faire. Non, il veut pas. Hein. Je veux la bloquer, mais dans... Je vais atteindre des sommets.
Ok. Non, Clonk, je crois savoir comment t'aider avec cette tendance à t'empêtrer dans d'infinis détails. Il suffit d'être plus confiant. Que voulez-vous dire ? Vitesse. Il y a une chose que mon père m'a apprise, il sait qu'avoir l'air de savoir ce que tu fais peut te mener loin dans la vie. Et ça, est une solution. Alors, ici, c'est vitesse. Ici, ils sont dirigés par le machin, donc du coup, si je les mets lourd, ils pourront passer. Voilà. Sauf que s'ils sont lourds, ils continuent tout droit, en fait, des cons. Parce qu'ils sont stupides. Alors, du coup, on va les mettre vitesse là. Oh! Non, ils vont vite mourir, on va dire. Si j'ai mes plumes, ils sautent au-dessus et ils sont poussés dans cette direction. Ok, d'accord. Par contre, ici, il faut que je mette aussi vitesse. Non, pas la vitesse. Ici, il faut que je mette lourd. Voilà. Là, ils vont tourner et ils vont aller tout droit ici. Voilà. Nickel. On va dire que c'est pour ça qu'on l'aime bien. Ah mais moi, je l'aime plus que bien. Merci beaucoup. Les Portois sont des gens très corrects. Ouais, bon. Surtout pas. La confiance, c'est la clé. 200 IQ, c'est ça. J'ai pas trop expliqué ce que je faisais, mais ça va plus vite quand j'explique pas. Maintenant, c'est du bouchon. Parce que j'ai envoyé des meilleurs techniciens réparer le système. Ça y est, le système fonctionne à nouveau. Nice. Maintenant c'est lubrifié. Réparé, nous devrions pouvoir utiliser l'ascenseur. C'est ça, exactement. Nous le quartz phasique. Alors, je sais que dans cette grotte là, il y a un quartz que j'ai pas frappé. Et que probablement, il faudrait que je le fasse avant de prendre cet ascenseur. Donc, avant d'arrêter le live, parce que là, je vais partir en pause, où je vais aller manger, etc. Blablabla. Vous connaissez, en fait, hein, remplir le vent, tout ça, tout ça. Je sais pas ce que vous avez fait, mais je vous dis un grand merci d'avoir aidé le chef Tullio à retrouver l'inspiration. Purée. L'accent, là. Eh bah, franchement, je trouve que c'est plutôt sympathique, hein. Oh là là. On va partir là-bas. Donc du coup, si je me souviens bien, c'est bien dans cette direction-là. Aïe. Et mon timing était bien off. Et donc, dans cette grotte, je crois que j'ai pas touché ce cristal-là. Je suis monté directement. On va partir par là. Ok, ce cristal de retour, je suis ici, et je suis parti comme ça, et je suis parti directement là-bas en sautant dans tous les sens. Je suis parti derrière, et il y avait un cristal de ce côté-là que je n'ai pas tapé dessus. Il y avait un boulon, putain. Comment est-ce arrivé là ? Ah ! Ah ! A plus Yags, merci d'être passé, c'est gentil. Tu manges quoi ce soir? Du saucisson? Ouais, je vais manger du saucisson, ouais. Non mais je vais devenir un saucisson à force, par contre. Mais bon. Mais t'as l'idée, il y a l'idée. Je veux dire, pourquoi pas, en vrai, hein, saucisson, un jour, saucisson toujours. Hein. Et avec Ikari qui va me filer de la mayonnaise parce qu'il en a fait trop. Ouais, parce qu'il fait lui-même sa mayonnaise avec des œufs entiers apparemment. Il y avait un moyen d'aller plus vite par là-bas. Ouais, la taxi Giza. Baguette sur Rogaille Saucisse. Le problème pour Rogaille Saucisse, c'est que j'ai pas les saucisses. J'ai les oignons par contre. Et j'ai les tomates. Donc je peux faire déjà la base du curry. Mais sans la saucisse, c'est compliqué. Mais c'était une bonne idée. En soi, c'était une bonne idée. Bon, du coup, j'ai tapé lui, j'ai tapé. Ça et ça, j'ai tapé. Celui-là, j'ai tapé. Reste à savoir si j'ai tapé tous ceux qui sont là-bas. Donc du coup, tout le côté gauche, là, on sait pas si j'ai tapé tout.
Mais je sais qu'il y a un succès pour avoir tapé tous ces trucs-là. Donc, à partir de là, on restera en interrogation. Mais ouais, je devrais. En fait, il faut que j'arrête, mais le jeu est tellement bien. C'est pof comme repas, au pire, fait un rogaille œuf. Non, mais je vais pas manger, manger tout saucisson en pâte ce soir, quoi. T'es plutôt de bacon, toi, vu la musique Bacon Sound que tu m'as fait connaître. Bah, en vrai, le bacon est devenu une private joke sur la chaîne. Mais en soi, j'en mange pas tant que ça, en vrai. Hein. Genre, limite, jamais, hein. Quoi? Nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé sur Blizzard dans ta dimension. On le saura bientôt, et on empêchera que ça arrive dans cette dimension. Ah ouais? Saute sur le côté! Mais on est coincé là! Wouh! Premier cristal! Wouh! C'est insane! Sache que l'ingénieur en chef entend. Ah, c'est ici que je dois taper les cristaux que j'ai pas vu en fait. C'est quand même pas compliqué de décrocher. Il y a des cristaux partout, donc je sais pas lequel j'ai tapé, lequel que j'ai pas tapé. Là, ça va être compliqué. Parce que là, on est ici. J'en ai tapé 3 déjà. J'en sais rien. Putain, pourquoi vous avez mis un succès là-dessus, les gars? C'est obligé que je vais rater. Oh oh. Wouh! Super. Je kiffe. C'est ça. C'est un rêve étonnamment concret. Plus c'est concret, plus c'est réalisable. Mais encore une fois, le problème du rogue saucisse, c'est qu'il n'y a pas de saucisse, donc c'est compliqué. Mais sinon, ouais, j'aurais fait. Max, Rambo, j'ai une super nouvelle. J'ai déchiffré le message venu d'ailleurs. Écoutez ça. Enfin, ça fonctionne. Écoutez. Ne démarrez pas la foreuse. Les failles l'ont endommagée. La foreuse a détruit notre blizzard. Ah, mais on vient de la mettre en route! Oh, abritez-vous! Verrouillage activé! Je vais essayer de l'éteindre à distance! C'est pas vrai! Oh là là! On est mal! Descends, tu aimes les engins de l'eau. Oh! J'aime bien comme il dit ça au moment où ça me touche. J'ai 6 de vie. Je suis. Vas-y, là, dans le faisceau de la foreuse. Je vais le récupérer avec mon marteau. Oui. On n'est pas de la bonne dimension. Dépêcher de regagner l'autre dimension. Ok. Je suis vraiment en train de faire un combat interdimensionnel entre deux types d'ennemis et pas les mêmes. Je
ici, ni dans ces conditions. T'as une idée en tête? Tu vois cette planète? Elle est grosse et lourde. Et pleine de carburant aussi. Elle pourrait se transformer en bombe à tout instant. Oui, mais si on s'en sert pour percuter la foreuse, on pourrait la déplacer et l'empêcher de détruire la planète. Normal, je dirais que c'est contraire au protocole, mais vu le contexte pré-post-apocalyptique, vous avez mon fameux... Pré-post-apocalyptique. Qu'est-ce que nous attendons? Bonjour, ici votre meilleur ami, Jim. Hey Jim! J'ai effacé mon répertoire de bruit triste quand nous sommes devenus meilleurs amis. Oh non! Ratchet! Rivette! Oh non, le cristal! Oh non! Bon, c'est peut-être pas aussi grave que... Ça va sûrement te paraître complètement dingue, mais... Chez les Morks, des légendes parlent de quelqu'un sur Tauren 4 appelé le réparateur. Si c'est démoli, le réparateur peut le réparer. Peut-être qu'il peut dans réparer ça. Dans ce cas, nous allons vérifier si ces légendes disent vrai. Ouais, elle est cute, ouais. Le jeu est cute. Personnage est cute. Passion des cristaux. Wait, attends. Obtenir du quartz phasique. Mm-hmm. Il faut réparer ce quartz phasique pour sauver l'univers maintenant. Mais j'ai tapé tous les quartz. Non. J'ai pas tapé tous les quartz. Ok, Boulon. Allons trouver le réparateur. Arrête de m'appeler Boulon, je suis pas un Boulon, ok? Et que le réparateur est en mesure de réparer le quartz phasique, nous aurons réussi l'impossible. Les Morks m'ont toujours dit du bien de lui. Et tu peux me croire, ils sont incapables de mentir. Dans ce cas, peut-être avons-nous encore une chance de sauver les dimensions. Poule! Bon, alors. Donc. Je dois vérifier. Alors, je suis pas un mec qui chasse les succès. Mais si 72%. Il m'en manque 8. Frapper tous les cristaux de Blizzon sur Blizzard. Et sur Cordélion. Ah. 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 Ah bah ça va en vrai. Ça va. Peut-être que Cordélion est une autre planète que je n'ai pas encore vue. Au pire, c'est pas grave. Parce que là, j'ai les cristaux et tout. Je peux revenir, hein, de toute façon. Mais, voilà. Cordélion, c'est notre planète? Rassurez-moi. Ah, on a une pub. Vous entendez? Je suis en train de détruire des mensonges. Voilà ce que vous entendez. De très vilains mensonges. Ils disent que cette dimension est instable, que nous sommes aspirés par un vide informe. Ah, c'est faux! Et si vous n'êtes pas d'accord, je vous ordonne de jeter vos yeux dans l'incinérateur le plus proche, car ils sont clairement défectueux. Par-dessus tout, les vents d'Alombax ne se sont pas... On n'entend plus rien. Pour cela... On entend pas la voix, le mixage sonore est mal fait en fait. Tiens, vous voulez de la vérité? Un prix pour les Lombax passe désormais à 27 plus millions donnés par Youble. Même moi j'aimerais y avoir ce... Non, je me rendrai pour avoir l'argent. Absolument pas inventé. Tout ça, c'est pour vous si vous arrivez à m'attraper. C'est maudit Lombax. J'aime bien le dessin. Nefarious ne reculera devant rien pour nous attraper. Damn. Ah, Cordélion, c'est ici. Et je suppose que Cordélion, il doit y avoir 8... 8 là-bas. Et répare le quartz phasique cassé. Donc du coup, quand je rejouerai au jeu, je serai donc du coup avec Ratchet sur Cordélion. Mais en tout cas, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo dans notre compagnie. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous êtes sur Seros VOD. Et évidemment, si vous êtes sur Seros VOD, rendez-vous sur twitch.tv/Seros. Pour nous suivre en live. J'ai bien sûr mes réseaux sociaux Instagram et Twitter à suivre pour être au courant de tout sortie de live, vidéo, etc. Et quant à vous, je vous fais des gros bisous. C'est Ross, out.